Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est samedi, je vous prends tard. Ce matin je me suis enlevée super tard. On n'a pas fait grand chose. Et là j'étais en train de regarder pour... je voulais changer de peau mon petit bananier du coup. Et le truc c'est qu'en fait on a acheté ce pot à Ikea. Et je pensais mettre du coup le sous-pot de l'hortensia. Enfin le pot quoi. Le problème c'est que comme vous voyez... ça passe pas parce que dans le pot Ikea, il y a un faux, il y a un rebord. Et du coup, ben, ça passe pas et soit je coupe ça, mais j'ai pas trop envie de me couper. Donc je ne sais pas trop ce que je fais. Si je garde ce pot avec le truc qui dépasse, qui est pas beau du tout, en fait, soit je coupe, soit je prends ce petit pot qui du coup est vraiment plus petit, mais ça ferait pas non plus, voilà. Ça serait pas non plus... Donc je sais pas, je pense que je vais plutôt opter pour mettre dans ce petit pot et je changerai plus tard, ou j'essaierai de trouver un cache-pot ou un pot qui convient pour le bananier. De toute façon je pense pas qu'il va pousser super vite. Donc bon, voilà, il est un petit peu abîmé là, mais pourtant je l'arrose correctement, là c'est encore humide, je l'arrose correctement. Donc on verra s'il arrive à survivre, on verra bien. J'espère qu'il va survivre, surtout quand on sera pas là, qu'on sera en vacances. On verra, il y a ma soeur qui va passer pour... qui va passer, donc il faudra bien qu'elle arrose les petites plantes, sinon ça n'ira pas. Voilà, donc du coup je fais ça et après je vous ferai voir ce que j'ai pris pour la rentrée scolaire de Lucas. Voilà, je vous ferai un espèce de back to school dans le vlog. Voilà, parce que là ça va pas être spécialement intéressant, on va rien faire de sensas aujourd'hui, donc voilà. Donc je m'occupe de faire ça et je vous dis à tout à l'heure. Donc c'est bon, je viens de finir, du coup bah, j'ai arrosé pour que la terre ça aille mieux. Je vais le laisser un petit peu comme ça, autant que ça s'égoutte. Ça va qu'il fait pas trop chaud, hein. J'ai prévu le coup, hein. J'ai pas fait ça quand il faisait super chaud. Donc et ben, je vais rentrer, je vais la laisser s'égoutter et puis ben, tout à l'heure je la mettrai dans le pot. Coucou, donc on se retrouve comme je vous l'avais dit pour vous parler des fournitures scolaires que j'ai achetées pour Lucas. J'en ai acheté un petit peu chez Action, il y avait un petit moment et du coup hier on est passé du coup, bah, chez Carrefour. Il y a aussi deux trucs qui viennent de chez... il y a aussi un truc que j'ai oublié de ranger d'ailleurs. J'ai oublié de ranger ça pour les chats. Voilà, ça ce n'est pas des fournitures scolaires pour Lucas. Ce sont pour les chats. Mais du coup oui, je veux savoir ce qu'on a pris pour Lucas. En fait c'était par rapport à sa liste scolaire, ce qu'il avait. Voilà. Et bah, c'est parti, on va commencer. Donc déjà dans les choses qu'il garde, il y a son sac. Donc ça c'est le sac d'école de Lucas, ça fait 2 ans je crois qu'il l'a. Normalement il y a un petit singe, mais je sais pas où est-ce qu'il l'a mis. Il y a un petit singe bleu en fait, un moumoute qui doit être collé dessus. Je crois qu'il est dans un des meubles, si je le retrouve je vous le ferai voir. Et donc en fait c'est un sac Kipling, donc je le trouve très très bien. C'est l'intermédiaire entre le sac de maternelle et le sac primaire quand ils sont un petit peu plus grands. Lucas est grand mais il est très fin et je me voyais pas en fait lui mettre un sac qui était énorme. Donc celui-là en fait il est moins large, mais dedans il y a quand même pas mal de contenance. Donc je le trouve super bien fait. Il résiste très bien. Le SAV est top parce qu'à un moment on avait un truc qui s'enlevait, je ne sais plus où est-ce que c'est. En fait on avait une des vis qui se barrait et donc j'ai envoyé un mail à la marque qui m'a tout de suite renvoyé, enfin qui m'a renvoyé très rapidement les vis qui manquaient. Donc de ce côté là le SAV est franchement très très bien. Et voilà, c'est là en fait, c'était ici qu'il y avait le petit singe. Et il se lave très très bien en machine. Moi je le lave souvent parce que c'est un truc qu'on oublie souvent de faire, mais les sacs à dos, les sacs d'école, ça traîne partout. Les enfants en général les balancent dans la cour, les balancent partout. Et du coup c'est vite très 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 sale. Donc Lucas il est au courant, son sac il va le garder encore 1 an voire 2 ans. Et quand il arrivera au collège ou en CM2, on lui fera plaisir, on lui prendra un beau sac.
Là je préfère qu'il soit bien maintenu, donc je pense que plus tard ça sera un sac Eastpak qui aura un truc comme ça. Mais du coup ça c'est un très bon sac, les épaules sont bien maintenues et tout. Après je vous le cache pas, c'était un investissement, je l'avais payé à l'époque, je crois que j'avais payé 110 €, un truc comme ça. Mais ça fait déjà 2 ans qu'il l'a. Ouais c'est ça, c'est... Ouais c'est ça, ça fait 2 ans, il l'a eu pendant 2 ans, là il va faire sa 3e année avec. Donc au final je préfère lui acheter un bon sac qui va durer plusieurs années, où je sais que son dos ne va pas prendre cher parce que les sacs sont super lourds. Donc j'aime beaucoup, voilà. Ensuite je vais vous parler d'Action, je lui avais acheté 2-3 trucs en fait à Action. Je lui avais pris, c'était début de l'été, ils avaient fait une petite collection, donc j'avais pris la collection sport basket. Donc il y a 2 x 18 étiquettes. Voilà, donc là je sais qu'il lui faut des étiquettes, donc je vais les remplir. Donc il aura des étiquettes, donc ça c'est pour l'école. Pour la maison, je vais pris un petit cahier, un cahier de brouillon, voilà. Quand il oubliera son cahier ou que bah, y a des choses à faire en plus, il aura un cahier, c'était largement moins cher qu'à Carrefour. Je lui ai pris une pochette pour ranger ses affaires à la maison. Ça c'est pour la maison, c'est pas pour l'école, c'est pour la maison quand il y a des feuilles qui traînent, des trucs qu'on lui demande de faire nous. Il a ça donc comme ça. Et ça en fait c'est qu'à l'école il a un classeur qui va être gardé en fait pour faire la transition entre le CE1 et le CE2. Les maîtresses se le donnent. Et en fait il commence à être abîmé. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les devants et je lui en ai racheté bah, un autre sur le thème pareil de New York. Donc voilà. Après au pire il pourra l'utiliser pour la maison celui-là si il ne veut pas le changer. Ensuite on passe à Carrefour. Donc à Carrefour j'en ai eu pour 46,05 € de fourniture scolaire et il y a eu beaucoup de choses qui ont été reversées sur la carte Fidélité Carrefour. Mais ça, ça sera pour plus tard. Donc je vous fais voir et aussi voilà, les deux autres choses aussi qu'on va garder de l'année dernière, faut juste que je passe un petit coup d'éponge. Je lui avais acheté cette trousse chez Action, donc là il y a son bazar dedans, c'était sa trousse d'école. Donc il y avait beaucoup de choses. Donc voilà, il y avait sa paire de ciseaux, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il a. Donc là cette année on l'a changé parce qu'elle commençait à s'abîmer, elle commençait à moins bien couper et tout. Voilà. Après il lui restait des gommes, mais bon clairement là les gommes j'ai pas pu les récupérer, c'était pas possible. Niveau crayon, c'est pareil, on n'a pas beaucoup récupéré parce que vous voyez l'état des crayons de Lucas. Voilà, dans lequel ses crayons sont à la fin de l'année. Donc bon, donc dedans j'avais regardé mais je peux pas récupérer grand chose. On a essayé de récupérer mais voilà, l'état des crayons de papier, voilà. Donc il y a plein de choses en fait que je suis obligée de racheter. Mais du coup la trousse on la garde, je vais la nettoyer, on la garde. Il avait aussi une seconde trousse, son papa lui a mis des porte-clés qu'on avait à la maison, voilà. Donc il a voulu mettre ce petit porte-clés et un truc M&M's. Donc ça c'est pareil, c'est une trousse qui vient de chez Action. Et dans cette trousse c'est plus les feutres, voilà. Mais la moitié des feutres ne fonctionnent plus. Les crayons en papier, les crayons de couleur c'est pareil, ils sont complètement cassés, on a beau les tailler, ça ne veut plus se tailler. Donc du coup on lui en a racheté. Il a encore... son taille crayon qui fonctionne. Le seul truc c'est que le taille crayon on en a repris un, comme ça il aura des doublons à la maison parce que cette année il avait tendance à beaucoup oublier des affaires à l'école et quand on était à la maison moi j'avais pas les affaires en double. Donc là cette année il y a certaines choses que j'ai pris en double, comme ça je suis sûre qu'il les aura. Donc ça il faudra juste trier et ça sera bon. Ensuite donc on passe du coup à ce que j'ai pris. Avant de passer à Carrefour je voulais juste vous faire voir, on a pris ça, c'était juste pour leur faire plaisir, c'est pour la maison. Je leur ai pris des gommes, donc elles étaient à 99 centimes, elles viennent de chez Lidl. Donc Lucas il a choisi des gommes avec des petites voitures, voilà. Et Lily du coup, Lucas a voulu prendre aussi des gommes pour sa soeur, donc il a choisi les petits cœurs. Voilà, maintenant on rentre dans le vif du sujet, on passe aux fournitures scolaires de Lucas. Donc j'avais une liste prédéfinie avec exactement des consignes vraiment très... voilà. Comme il me fallait une équerre incassable, un double décimètre incassable, des trucs comme ça. Donc du coup j'ai pris par rapport à ce qu'il y avait sur ma liste. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, Cookie, j'ai Cookie qui essaie de sortir, je vais le faire rentrer quand même. Cookie, tu viens là? Allez rentre. Voilà. C'est bon, monsieur Cookie est rentré. Hey Cookie, c'est vraiment gros.
faut pas les bisous, les câlins. Allez, va-t'en. Donc du coup, oui. Donc, comme j'étais en train de vous dire, à l'école j'ai eu une liste vraiment prédéfinie où je devais prendre telle chose, telle chose, telle chose. Je sais avec l'école que si c'est pas les bons trucs, si c'est pas la bonne taille, si c'est pas la bonne couleur, si c'est pas les bonnes pointes, ça n'ira pas. Donc j'ai vraiment scrupuleusement à la lettre, j'ai pris ce qui était marqué dessus. Et il y a beaucoup de choses aussi que je n'ai pas pris car avec l'école on a, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a une coopérative. Donc en fin d'année j'ai fait un chèque avec le devis qui m'avait été donné pour Lucas et Lily. Et du coup ça arrivera directement le jour de la rentrée scolaire. Les enfants auront un petit carton sur leur table avec les fournitures scolaires en fait. Voilà, donc comme ça il n'y a pas de risque d'erreur. C'est moins cher, c'est moins prise de tête. Parce que les autres années où je ne l'avais pas fait pour Lucas, je l'ai fait l'année dernière, mais les années d'avant, je ne l'avais pas fait. Et j'ai dû courir je ne sais combien de fois le soir, les premiers jours de la rentrée, parce que j'avais pas la bonne couleur du cahier, parce que j'avais pas la bonne taille, parce que c'était pas les bonnes lignes, parce que c'était pas la bonne couleur de ligne. Donc là, cette année, j'ai dit, comme l'année dernière, c'est bon, je fais. C'est aussi la raison pour laquelle, pour Lily, je n'ai rien fait pour sa rentrée scolaire. J'ai juste eu à acheter des mouchoirs et de l'essuie-tout. C'est tout. Elle conserve son sac d'école qui lui ira encore largement cette année. Tout le reste, en fait, arrivera directement dans la classe. Et il y en avait pour 26€, je crois. Et Lucas, j'ai déjà payé avec l'école, je crois de mémoire, 64€. Là, j'en ai eu pour 46€. Donc, bah, vous faites le calcul, on a pour un peu plus d'une centaine d'euros. Je trouve que c'est quand même... ça va. Ça pourrait être moins cher, mais bon, je trouve que ça va pour voir tout ce qu'il y a. Donc, du coup, pour Lucas, la deuxième chose qu'on a gardée l'année dernière, c'est sa règle. Elle est en très bon état, donc je vais pas lui en racheter une. C'est un double décimètre incassable. Donc ça fera largement l'affaire. Cette année, la maîtresse m'a demandé de lui acheter un stylo plume. Donc du coup, on a opté pour celui-ci qui est spécialement étudié pour les enfants. Je sais pas si ça focus correctement dessus. Donc il est spécialement étudié pour les enfants, donc pour les personnes qui ne savent pas écrire avec un stylo plume. Du coup, on a pris celui-ci. Il a pas trop le choix niveau couleur, il restait ça ou violet et c'était le dernier. Donc on a pris celui-ci. Le stylo plume, je sais plus combien je l'ai payé, hein, mais je saurais plus vous dire combien je l'ai payé. Je crois que c'était 3... Oui c'est ça, c'est 3,60€. Je lui ai pris... Il y en a une autre qui doit se balader dans le sac, voilà c'est ça. Je lui ai pris... il m'en fallait 50. Sur la liste de fournitures, il était marqué 50. Il y en a 30. Je crois que c'est 30. Ouais, il y en a 30 par paquet. Et je me suis dit... Vu que Lucas il a pas mal de trucs toujours à écrire à la maison, qu'il écrit pas mal à la maison, j'en ai pris plus parce qu'elles étaient en promo et au lieu d'être à 1€ le paquet, elles étaient à 75 centimes. Donc j'en ai pris en avance et je sais, en fait il y en a une qui va rester à la maison et les deux autres vont aller à l'école. À l'école en fait ils ont leur réserve comme ça, dès qu'ils ont besoin de quelque chose, la maîtresse pioche dans le compartiment de l'enfant et comme ça ils ont toujours tout sous la main. Donc du coup il y en a une pour la maison, deux pour l'école. Du coup... Comme dans l'emballage du stylo plume, il n'y avait qu'un effaceur, je lui ai pris... Oh, je suis toute floue. Voilà, donc comme il n'y avait qu'un effaceur dans le stylo plume, je lui ai pris un lot d'effaceurs. Voilà, donc j'ai pris ça. Après, j'ai pris aussi les trucs que moi j'utilisais quand j'étais plus petite et avec lesquels j'aimais bien. Et là où il y avait des promos, hein, on est tous à guetter la promo, donc ben, j'ai pris ça. Il lui refallait des crayons de papier, donc Lucas il aimait bien ceci. Alors les crayons de papier, je sais que la quantité là, il va tous me les passer dans l'année. Il doit y en avoir 15. Ouais c'est ça, il y en a 15, mais je sais qu'il va tous me les passer. Donc et bah du coup des crayons à papier. Il lui refallait donc du coup un tag crayon avec un réservoir. Donc celui que je vous ai fait voir avant, on va le garder. Et là il a décidé de prendre celui-ci. Voilà, donc on va garder celui-ci. Celui-ci du coup ce sera pour l'école. Ensuite on devait prendre une équerre incassable. Donc on a opté pour ça. Et si ça convient pas dans l'année, je lui rachèterai une équerre sous ce format là. Voilà, il voulait absolument tester celle-là, il aimait bien, elle était verte. Donc je lui ai fait plaisir, on a pris cette équerre. On verra bien ce que ça donne au cours de l'année. Ensuite je lui ai repris, mais ça j'en avais déjà repris, bon il va moins écrire avec comme il a le stylo plume, mais moi les crayons avec lequel, enfin les crayons pour Lucas c'est ceux-ci, donc ce sont des crayons avec de l'encre effaçable, voilà, ils coûtent super cher. Mais c'est avec ça qu'il écrit le mieux. Et cette année on a opté pour ceux qui se... où on appuie dessus, où il n'y a pas de bouchon, parce qu'à chaque fois il perd les bouchons et l'encre sèche.
Donc là au moins il a juste à appuyer, ça rentre, il n'oubliera pas. J'ai pas pris de recharge parce que les recharges étaient assez chères et que il en a déjà encore, et comme il a le stylo plume, je sais pas vraiment avec quelle proportion il va écrire tout le temps stylo plume ou pas. Donc du coup j'en ai pris parce que c'était en promo et que je sais que ça va être utilisé, mais j'en ai pas pris non plus des masses non plus pour avoir un trop gros stock, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite il lui refallait des gommes, ça il n'avait plus du tout, ça faisait 2 ans qu'il... En fait ce que je fais c'est que je mets la quantité qu'il faut que l'école me demande, et moi aussi j'ai ma petite réserve, donc par exemple dans ma réserve de la maison j'ai une petite boîte où il me restait, bon là j'en avais plus, c'est pour ça que j'ai pris un gros paquet, mais où il me reste encore de la colle, il me reste des crayons de couleur pour Lily, pour la maison, des petits trucs comme ça. Et du coup quand les enfants en ont besoin, bah je rajoute. Donc là du coup les gommes qui seront en surplus iront dans la petite boîte, et puis bah, voilà. Ensuite il lui refallait une paire de ciseaux. Donc comme je vous ai dit, sa paire de ciseaux de l'année dernière était très très abîmée. Donc cette année on lui en a repris une. Voilà. Ensuite il lui fallait un compas. Coucou Lily. Lucas, je crois qu'il est en bas. Il faut qu'elle voie mon lit. Ah ben je sais pas, il est en bas je crois. Donc du coup pour Lucas il lui fallait un compas avec l'emplacement pour le crayon. Donc il a décidé de prendre celui-ci. De toute façon il n'y avait pas 36 000 choix parce que tous les autres compas c'était des compas avec la mine intégrée. Et du coup bah j'ai pris ça. C'est spécial pour normalement c'est pour le collège, mais bon là il l'utilise avant, et il y a une petite protection pour pas qu'il se fasse mal en fait avec la pointe. Et forcément bah, il a pris le orange hein, parce qu'il aime bien l'orange. J'ai repris, il lui fallait des feutres. Donc cette année il n'y avait pas de, parce que les autres, dans les autres années on nous imposait les marques. Parce que les maîtresses voulaient les maîtresses imposaient les marques en fait pour être sûre que ça fonctionne, que ça tienne et que ça lâche pas au bout de 2 mois. Et bon après je, sur certains trucs comme les feutres, c'est vrai que j'ai déjà testé d'autres marques, et les marques Carrefour, les marques Premier Prix, les marques Action et tout. Franchement ça, au bout de 2 semaines il n'y a plus d'encre, il n'y a plus rien, c'est complètement délavé. Donc à chaque fois pour les feutres je leur prends les bics, j'aime bien, ils sont lavables, ça c'est cool. Donc cette année je leur ai pris ceux qui étaient en promo parce qu'il n'y avait pas de besoin spécifique par rapport au nombre. Des fois les maîtresses demandent 16, 12, donc là moi j'ai pris ce qui était en promo. Donc il y en aura une pour Lucas, et les 2 autres vont aller dans la réserve de la maison parce qu'en fait il y avait 50% sur la carte, donc ça va aller dans la réserve de la maison pour Lily quand elle dessine à la maison. Voilà, de temps en temps je ressors des feutres. Ensuite Lucas il lui fallait des stylos feutres à pointe fine de toutes les couleurs. Donc je lui ai pris les stylos feutres que moi j'adorais. Quand j'étais petite, j'avais le gros, le double de ça en fait. Je les ai achetés à l'unité, je me rappelle. Je les ai achetés au Volcan à Clermont, pour ceux qui connaissent. Depuis, je crois que ça a fermé. Et du coup, il y a pas mal de coloris, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc là, ce sont que les feutres fins. Moi, j'avais aussi, j'avais tous les feutres fins et j'avais tous les feutres gros. Donc, il aura ça du coup comme feutre. Ensuite, il lui fallait des crayons de couleur. Donc, les crayons de couleur, bah, je lui ai pris ce qui était en promo aussi, pareil. Donc, j'ai pris les Stabilo. J'arrive, ma belle. Donc, je lui ai pris les... La caméra avait coupé, je sais plus où je m'en étais arrêtée. J'arrive vite. Je vous avais parlé aussi de ces 2 pochettes qu'il lui fallait cartonner, donc une rouge, une bleue. Ça c'est pour Lucas, toi tes fournitures elles seront à l'école. Je lui ai pris cette paire de ciseaux, je lui ai fait plaisir, il voulait celle-ci, elles étaient plus chères que les autres, mais bon il a craqué dessus, donc je lui ai pris, voilà tout simplement. Et dernier truc que je lui ai pris, c'est cette trousse. Parce qu'en fait il a pas mal de trucs là cette année, donc on verra comment on organise. Il va avoir sûrement, en fait il lui faut 2 trousses. Il lui faut une trousse avec ses affaires, crayon de, avec le compas, enfin tout ça. Et il lui faut une seconde trousse en fait avec tous ses feutres. J'arrive ma belle. Avec tous ses feutres, avec tous ses crayons de couleur. Donc il a choisi cette trousse pour vous donner une idée. Une trousse normale à côté, voilà, donc elle est quand même vachement plus grande. Donc du coup il a pris cette trousse qui, si j'arrive à l'ouvrir, et nettement qui est plus grande en fait, voilà. Bah donc du coup dedans il va mettre son compas, ses crayons de couleur, ses feutres,
Il va sûrement mettre ça aussi, voilà, donc ça va vite être rempli. Donc voilà, du coup, pour les fournitures scolaires de Mister Lucas. Alors après, je prends pas des fournitures scolaires qui sont forcément bioéthiques et compagnie, parce que ça coûte 10 fois plus cher et qu'à chaque fois, en fait, j'avais déjà essayé. Mais ça correspond pas aux souhaits des maîtresses qui veulent des fournitures bien spécifiques. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle je ne prends plus et que je me cantonne à ce qui est marqué sur la liste des fournitures scolaires, parce que je me suis retrouvée plusieurs fois en fait à faire ma liste, à acheter des trucs sur Greenwinds et compagnie, et après ben, en fait ça n'allait pas et je pouvais pas l'envoyer, c'était trop tard. Papa il a mis le truc. Je vais venir voir. Et j'ai retrouvé le petit singe que je vous parlais. De Lucas. Cracotte, elle est là. Voilà. Oui, Cracotte, elle est là. Cookie, il était là. Julie, il est là. Bah, Cookie, il a essayé de sortir tout à l'heure. Voilà. Donc, je range tout ça et on va aller voir le ciel de lit de Mademoiselle Lily. On va voir si papa, il l'a mis au bon endroit. Ce qu'il m'a pas demandé, papa. Alors, peut-être qu'il est pas mis au bon endroit. Je ne sais pas, on va voir. De toute façon, elle est tout. En fait, elle est un dessin et après, bah. Un monte et un dessin. Alors, eh ben non, il est pas mis au bon endroit. Voilà. Bah oui, mais c'était pas comme ça que je voulais te le mettre. Moi, je voulais te le mettre dans le coin, parce que là, ce que je veux faire, je pourrais pas le faire, et tu vas l'arracher la nuit. Je voulais le mettre dans le coin. Je voulais. Coucou Lily. Donc Lily est dans son lit. Elle est pas contente, Lily, parce qu'en fait, au début, le ciel de lit, on l'avait pas mis là. Rémi m'avait pas demandé, il l'avait mis en haut, il y a encore la trace d'ailleurs. Et du coup il tombait au milieu et l'ouverture était là et le ciel de lit était comme ça. Vous voyez? Mais ça gênait et tout, donc là ça sera peut-être plus simple. Et du coup Mademoiselle Lily elle ralouille. Mais il est beau ton ciel de lit. Oh, t'aimes pas. Je peux le ramener au magasin aussi, tu sais. Mais oui, mais le truc c'est que si on le met comme papa il avait mis au début, ça va te gêner et surtout j'ai peur qu'il te tombe dessus parce que tu le touches quand tu rentres dans ton lit. Tu comprends? Mais en fait, je peux dormir, mais. Là on va le bouger un petit peu là. On va le caler comme ça. Tu peux le fermer. Bah non, on va pas le fermer parce que tu vas le toucher, sinon ça ira pas. Bon, j'essaye de caler ça. Tu viens chercher quoi Lucas? Tes doudous? Bah je sais pas où ils sont tes doudous. Hop là. Mais c'est très joli comme ciel de Lily. Si. Bon allez, on va vous dire bonne nuit. On dit bonne nuit à tout le monde. Et pourquoi elle n'est pas rose? Moi je le voulais rose. Parce que trop rose ça aurait fait trop Lily. Mais un petit peu rose, gelé. Oh. Bon, moi j'avoue aussi que rose aurait été plus joli au final. Mais bon, c'est quand même joli Lily. Bon, on vous dit bonne nuit Lily, c'est pas le soir là, c'est pas la journée, elle est râleuse. Donc on vous dit à demain, bisous. Coucou, et toi, t'es contente de ton lit? Oui, tu m'as fait peur quand t'as ouvert le truc. Bon, tu dors bien toi dans ton lit, ça va? Ouais, non parce que ta soeur elle râle, parce que c'est pas assez rose et que c'est pas au milieu. Tu trouves qu'il est joli toi son ciel de lit? Ouais, bon. Du coup on va vous dire bonne nuit. Mais je trouve que rose ça irait beaucoup mieux parce que vu que c'est rose. Ouais, mais trop rose ça ferait trop. Tu comprends, non? Ouais, rien, non. Non, oui. Mais une vache. Mmh. Et oh. Ouais. Ça c'est le docteur. Ça. Donc du coup, on vous dit à demain? Oui, à demain. Bisous. Bisous.